Ou un café. Tirez-vous, je vous ai dit que c'était non. Tu nous le donnes, ce courrier, ou faut que je te jardine la tronche? Je te conseille d'écouter mon copain le laboureur parce qu'il est ceinture noire de Rato Kido. Allez les mecs, foutez-moi le camp. Ça veut dire maintenant, Troudic. Amène-toi, Ginette. Tu fais de la lutte? Et même des castagnettes. Alors quoi, on se dégoûte? La tête en arrière. Respire par la bouche. Allons-y. Elle se couche, la marque. Elle se couche. Oh la vache. Mais t'as fini d'être con. Alors ça fait mal, hein, oh, oui, ça fait mal. Voilà, tout le monde, on se fixe. Ou je vous vaporise. Ceci est une bombe au poivre et je n'hésiterai pas une seconde à l'utiliser. Ces mecs m'ont sauté dessus. J'étais tranquillement assis derrière mon bureau. Quoi? Caille! Papa? C'est ton père. Plus un geste, vous entendez? Tout le monde se fixe! Jetez votre arme, monsieur! Nom de Dieu, mon fils a été kidnappé! Oh, bah, 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 qui a été... Qui a été kidnappé? J'ai pas été kidnappé. Eux, c'est mes amis de la fac. Qu'est-ce que tu me racontes? On s'est fait une virée tous ensemble. Quoi? Alors explique-moi, comment ta caisse a explosé? Ben en fait... Elle a été volée. Oui, c'est ça. Oui, des voleurs l'ont volée. Dis-lui, Kyle. Oui, c'est vrai. Volée? Et pour ma prise de carte de crédit? Elle était dans la boîte à gants et ils l'ont volée aussi. Telle de ridicule! Pourquoi tu nous as pas dit où tu étais? Parce que je savais que tu serais en pétard! Regarde dans quel état t'es! Je suis pas en pétard! Tu viens avec moi! Hop, la voiture est dehors! Josh? Oh, ah, Tiffany! Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien! La vache, mec, c'est un pur canon! Merci. Ben, ma fiancée m'appelle. On laisse partir tout le monde? Ah, oh, excellent. Ah, toi, je t'aime bien! Personne n'ira nulle part! Va te faire f***! Il vient avec moi! Non, lâche-moi! Je rentrerai à la fac avec les autres. Toi, tu fermes ta et tu ne réponds pas. Cette fois, c'est toi qui la ferme. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Je t'ai dit la ferme. Toute ma vie, tu m'as répété de ne pas être une lavette. Aujourd'hui, je suis un homme. Alors, fous-moi la paix, gros c***ard. Oh. Espèce d'ingrat! Oui, on va chez toi. C'est quoi cette histoire? J'ai rien compris. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu me manquais, c'est tout. Tu me manquais, toi aussi, mais t'es cinglé de faire tout ce chemin simplement parce que je te manquais. Quoi? T'es pas contente de me voir? Je suis très contente de te voir, mais... Josh, tu dois vivre pleinement ta vie d'étudiant, c'est pas sain de passer à côté. Et puis... J'ai réalisé pas mal de choses ces dernières semaines. Ah oui? Genre quoi? Genre, on est à l'université. Tu verras que les éventuelles occasions de sortir, d'aller s'amuser et de rencontrer des gens se feront de plus en plus rares. Ah oui? Je t'en prie, Josh. On est ensemble depuis toujours. En fait, t'es pratiquement le seul garçon avec qui je sois sorti. Comment ça? Pratiquement le seul garçon? Bah, j'avais 14 ans, t'étais parti camper. Mais c'était il y a très longtemps. J'ai eu comme une envie de poire au chocolat. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à nous deux et... La vraie raison de ma venue ici, bah c'est... Attends une seconde. Allô? Oui, il est ici. De la part de qui? Attendez. C'est pour toi. C'est Bess. Qui est Bess? Bess? Bonjour, Josh. Qu'est-ce que tu deviens? Écoute, je suis pas tout à fait sûre de ce qui se passe entre nous, mais j'ai un truc à te dire. Je suis très content que t'aies téléphoné parce que... Moi aussi, j'ai un truc à te dire. Ah bon? Toi d'abord?
Ça m'est difficile de t'en parler tout de suite, mais je te promets que je t'explique tout dès que je rentre à la fac, d'accord? Je te jure, je te le promets. Bon, il faut que je raccroche, là. Attends, tu veux pas entendre ce que j'ai à te dire? Bien sûr, excuse-moi. C'est gentil? Pas vraiment. Jacob s'est fichu de toi. Tu n'as aucun délai pour l'examen. Quoi? Il t'a monté un bateau. Si tu rentres pas, t'es cuit. Qu'est-ce que tu aimes chez une fille? Oh, et j'aime qu'elle soit intelligente et drôle. T'es pas content que je t'ai appelé? Mais si, si, merci Bess. Je te téléphone dès que je suis rentrée, d'accord? Est-ce que tu te sens? Allez, au revoir. C'est pour moi? Je sens que ça va pas. Hein? Non, 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 surtout ne... Enfin, dis-moi, c'est quoi? Hé, hey, Rubine, je me vois la tête à la télé, peut-être que je rembobine la cassette. C'est Marie.